cuatro razones por las que usted debería hacer hoy mismo el registro consular. 1. Facilita su localización y asistencia en caso de emergencias o desastres como la crisis actual por COVID-19. 2. Facilita la pronta comunicación con sus familiares en Colombia en caso de emergencias o desastres. 3. Le permite recibir en su correo electrónico información de mucho interés del Consulado de Colombia en el cual se encuentra registrado. 4. Hacer el registro consular le toma alrededor de 5 minutos. Ingrese a www.cancilleria.gov.co o desde su celular a la app Mi Consulado. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le cours. Hola a todos, bienvenidos. Esta video que acabaron de ver es muy importante porque nos permite tener acceso a ciertos servicios en el extranjero. Yo, por ejemplo, estoy registrado en el consulado de París y todos mis trámites siempre hago como estoy registrado, es más fácil hacer, pedir cita y todo esto. Así que regístrense si están en el extranjero, ¿ok? Bon, bonjour Brenda, bonjour Agustina. On attend un petit peu que les gens arrivent. Bonjour Juliana. Ok, ok, j'attends que les gens arrivent. Bueno, ¿cómo les ha ido la semana? Muy bien. Espero que hayan disfrutado la semana. Salut Andrea. Carlos, bonjour. Yamil et Hector, bonjour. Bienvenue. Donc, aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine de notre cours de français. Aujourd'hui, rappelez-vous, nous avons notre adresse cursodefrancescolombianosune.blogspot.com. Próximamente estamos preparándolo, nos tomó un poco de tiempo porque el verano en Francia siempre todo se para. Pero próximamente tendremos la plataforma para que ustedes hagan ejercicios, se registren y tengan examencitos y cositas más fácil de acceso. ¿Ok? Bon, bonjour, Daniela, Mari, Margot, Daniel, Berta, Carolina, Héctor. Bonjour, bonjour. Bueno, recuerden que en esta dirección encuentran algunos ejercicios, todas las presentaciones y acceso a los videos. C'est la séance numéro 15 de la semaine 8 sur 24. Et aujourd'hui, c'est moi, évidemment, David. Et jeudi prochain, c'est Alejandra. Recuerden que los cursos quedan grabados en esta página de Facebook. No es sino ir a la página de Colombia Nos Une, ir a la sección de videos y buscarnos, que estamos por ahí en la timeline. Ok, ok. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par une petite révision du thème que vous avez vu la semaine dernière avec Alejandra. Oh là là, on nous voit loin là. Hasta en Israel nos ven. Ay, ay, ay. Estamos llegando lejos. Donc, nous allons... Rappelez-vous bien que nous avons vu deux utilisations d'aller. Hemos visto dos usos de aller. Ah. Son dos usos diferentes, así que ojo con eso. Hein? Donc, vous allez où ou où allez-vous? Recuerden que las dos formas son correctas. Pueden usarlas indiferentemente. Pero es más bonita la segunda. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Vous allez me dire aller comment? Comment je conjugue le verbe aller? Et, très important, la préposition que j'utilise. Parce que ça, c'est le défi le plus important. C'est quelle préposition ou quelle contraction j'utilise pour aller. Ok? Donc, je
Restaurant avec mes parents. Rappelez-vous, restaurant, c'est masculin. Donc, je, le verbe aller, restaurant masculin avec mes parents. Quelle est la forme correcte que je dois utiliser pour le verbe aller? Je vous lis. Los leo. Recuerden, je conjugado el verbo más, la contracción o el artículo o la forma con ale a. Y recuerden que restaurant es masculino. Je vois. Oh là là. Ah, attention, Viviane. Estamos en presente. Todavía no hemos visto el pasado. Rosa. Rosa, tu es toujours au taquet, toi, Rosa. Siempre estás como ahí. Claudia, très bien. Daniel, je vais. Il ne manque pas un petit truc. Il ne te manque pas un petit truc. No te falta un pedacito. Je vois que la conjugaison du verbe. Vous êtes bien dans la conjugaison du verbe. Ah, vous révisez, je vois. Donc, je vais au restaurant. Pourquoi? Au. Je vous ai dit, restaurant, c'est masculin. Et aller à, vous faites la contraction comme en espagnol. On dit, je vais al restaurante. Recuerden que je les dije que algunas L's del latín, para nosotros, son U's en francés. Simplemente cambien la L por una U y ahí está. Je vais au restaurant. Parce que c'est le restaurant, c'est masculin. Du coup. Ça doit faire la contraction. En espagnol, on dit « je vais à el restaurante ». No se puede. En français, tampoco. Très bien. Tu, Espagne. Una cosita. Pour les vacances. Tu, Espagne, pour les vacances. Alors, c'est quoi là? Comment est-ce ahí? Comment est l'histoire? No veo respuestas. ¿Dónde están las respuestas? Allez, y leo la réponse. Veo que están saliendo respuestas. Voy a dejar un poquitico que pasen a ver cómo me responden. Ajá. ¿Vos êtes sûr? Vous êtes complètement sûrs? ¿Están seguros? Veo buenas respuestas mezcladas con respuestas que necesitan un poquito de revisión. Vous devez réviser un petit peu, je vois. Il y a des bonnes réponses et il y a des réponses qui sont pas très bien. Allez, allez, un peu plus de réponses. Un poquito más de respuestas. Una más y... Allez, répondez. Una respuesta más. Ay, 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 lady. ¿Cómo así que te ponga cero, lady? No, no, no. Atención. Tu, España, ¿sé cuá? L'Espagne, c'est un pays. L'Espagne, c'est un pays. ¿España qué era? ¿Es un lugar cualquiera o es un lugar muy grande? ¿Es un país? ¿Y qué pasa con los países? Ay, ay, ay. ¿Cómo está? Tu vas. En Espagne. Pourquoi? Rappelez-vous, l'Espagne, c'est un pays.
pays. Ça, c'est seulement pour les pays et les espaces géographiques immenses. Esto funciona para los países y para grandes espacios geográficos, por ejemplo, las regiones o los departamentos. Recuerden que aller à plus pays, ce n'est pas la même chose que aller à plus un endroit petit spécifique. Recuerden que los países no funcionan como los otros lugares. L'Espagne est un pays. Donc, oui, à l'Espagne, estaríamos tentados de decir à et l'apostrophe Espagne. Mais l'Espagne, c'est un pays et avec les pays, ça marche différemment. Attention. Ok. Elena, yo veo que ya están respondiendo las otras. Por ahí vi una de Elena. Musée, attention, c'est masculin. Ça, c'est une exception. C'est une exception. Uno diría, esto es femenino porque hay una E final que no suena. Porque normalmente una E final que no suena es una marca de femenino. Pero no siempre funciona. La palabra musée, c'est masculin, c'est le musée. Le musée. Tu vois qu'il y a des bonnes réponses. Elena va au musée comme elle va au restaurant. Ça se comporte exactement de la même façon. Ok? Au parce que c'est le musée. Recuerden que la L de al se convierte en au en français et que au suena au. Elena va au musée. Camila et moi, nous. Attention, Mary, c'est féminin. Mary, c'est féminin pour chercher le dossier des mariages. Oh là 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 là. Cet exercice lo hizo Alejandra. Alejandra me quiere casar. Alors, la Mary. La mairie, c'est féminin. Ah, je vois qu'il y a des bonnes réponses. Attention, Camila et moi, nous allons à la mairie. Attention, il y a un accent là. Recuerden, orthographia. Hay una tilde acá. ¿Por qué es importante esa tilde? Porque ortográficamente, fonéticamente es lo mismo, pero ortográficamente hace la diferencia entre a de la preposición a, que es la misma en español, y el verbo tener, una, il, ella. Donc, attention, ça, c'est l'orthographe, et c'est important parce que ça, c'est orthographique. Attention, hein. Camila et moi, nous allons à la mairie. Ce n'est pas un pays, c'est pour ça que je ne peux pas dire en mairie. C'est à la mairie. Ok, très bien. Vous, Champs-Élysées, pour voir l'Arc du Triomphe. Champs-Élysées, vous connaissez l'avenue, hein? Vous connaissez l'avenue de los Campos Elíseos. Attention, c'est pluriel. Recuerden que son los Campos Elíseos, les Champs-Élysées. Ah, je vois que vous révisez bien, hein? Vous allez au, comme ici. La différence, c'est que orthographiquement, il y a la marque de pluriel. Et une marque de pluriel. Ok? Ok, très bien. Et finalement, il, attention, pluriel. Il, ok, très bien. Pour prendre le bateau.
Ah, mais très bien, vous révisez. Yo veo que Mari y Daniela revisan. Yo no sé si los otros, Carlos también revisa. Pilar también revisa. Carlos Mauricio también revisa. Donc, ils vont au port, parce que c'est le port, pour prendre le bateau. Ok, très bien. Facile. C'est facile. J'imagine que c'est très 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 facile maintenant. Muy muy facile ahora, non? Ok, très bien. Vous avez des questions? Tienen preguntas sobre este tema? Tienen preguntas? Yo que todavía me salen respuestas. Ok, très bien. Si no tienen preguntas, pasamos. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir encore le lieu de la ville, parce que c'est notre thème. Et on va parler de comment indiquer la destination. Ah, buena pregunta de Marie. Marie me hace una pregunta con respecto a la diapositiva anterior. Marie me pregunta, ¿es que hay la liaison ici? Marie, oui, mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultative. C'est-à-dire, tu peux dire, ils vont au port, ou deuxième option, ils vont au port. Ça, c'est une option. C'est très, très, très bien vu. Hein. C'est, oh là là, ils vont au port. Oh, madame, ils parlent très bien. C'est une liaison facultative. Et quand on la fait, c'est parlant super élégant. Parce que normalement, quand il y a une liaison facultative, si on ne fait pas la liaison, c'est normal. Mais si on fait la liaison, on parle très élégamment. OK? Si hacen esta liaison, es una marca un poco elegante. No es obligatorio, pero si lo hacen, está bien, muy bien. OK. Très bien. Donc, on va commencer avec le thème. Les lieux d'une ville. On va commencer avec quelques mots de vocabulaire, ok? Parce que à partir de mots de vocabulaire, on va continuer la partie suivante, ok? Donc, attention, l'ordre n'est pas correct. L'ordre n'est pas correct. Donc, je veux que vous ordonniez 1, 2, 3, 4. 5, 6. OK? Vous avez 6 mots différents. Je veux que vous me disiez le premier va avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Salon de coiffure. Ça va avec l'image 1, l'image 2, l'image 3, l'image 4, l'image 5 ou l'image 6. Donc, quel est l'ordre correct? Quel est l'ordre correct? Ça qu'elle met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, salon de coiffure, on me dit image 4, image 5. Salon de coiffure. Salon de coiffure. Alors, salon de coiffure, c'est ça. Ça, c'est le salon, déjà. De una vez tienen la palabra salon. Ya saben más o menos. Donc, le salon de coiffure, et attention, le verbe coiffer. Coiffer, C-O-I-F-F-E-R. Coiffer, c'est
faire l'action. Attention. En français, no se dice de corte de pelo, sino de peinado. Un salón de peinado es un salón donde le cortan el pelo. Entonces, salón de coiffure, c'est pour le cheveu. OK? Boucherie. La boucherie. Elle va où le mot boucherie? Si no conocen la palabra, hagan una hipótesis. No me importa que se equivoquen. Porque a veces cuando uno se equivoca, dice, ah, yo pensaba que era tal cosa, pero no. A veces a uno se le graban así las palabras. ¿Ok? Si no saben, den una hipótesis, no importa. Se pueden equivocar, no hay ningún problema. Donc, boucherie, je vois. Boucherie. Donc, boucherie, c'est la boucherie. ¿Por qué? No me digan por, no me pregunten por qué. No sé decirles por qué se usa la palabra. Porque la palabra carne no es bouche. Bouche, c'est ça. Ça, c'est la bouche. Bouche, jusqu'ici. Bouche, ça, c'est la bouche. Je ne sais pas pourquoi, mais la boucherie, c'est l'endroit où il y a la viande. Se las voy a poner luego en las explicaciones, les voy a poner la palabra carne. Viande. La viande, c'est V. Attention. V. I. A. N. D. E. Viande. Así se dice carne. Pero la carnicería se dice boucherie. La boquería. Ok. Ça, c'est un cochon, oui. Chaussures. Veo que están dando buenas respuestas. Très bien, Luz Adriana. Très bien. Ça, c'est le mot viande. Ok? Chaussures. Chaussures. ¿Ustedes se acuerdan que cuando yo les dije al, en francés, reemplazan esa L por una U? Hay otras palabras que tienen AL en español, donde ustedes cambian esa A por una U y, lógicamente, A U suena O. Chaussure. Primer cambio para que vean cómo funciona un poquito el francés. Segunda regla. Yo creo que yo ya les había dado esta regla, pero yo se la repito. Algunas palabras que empiezan, incluso en el medio, en latín con K, el sonido K y el sonido A juntos, K, no la letra K, sino el sonido K, K, A, en francés es con SH. Si ustedes ven acá, dice chaussure. ¿Y cuál es otra palabra para zapatos en español? ¿Qué otra palabra en español para zapatos? Uno dice el. El, no, nadie tiene una idea. Muy bien, Mari, el calzado. Y si ustedes ven esa regla, K, que se convierte en sha, pero el problema es que había una L que se convirtió en U, entonces ya no suena chal, sino show, y sur, que es como la calzura. Y de hecho, la palabra media en francés utiliza la otra, el otro sinónimo de medias en español, que es, que tiene la misma raíz que calzado. ¿Cuál es esa palabra? En español, calcetín. Muy bien, Paola. Perdón, Betty. Y
Las medias se dice chaussette. Es como si eran calcetas. Y así se dice medias. Chaussettes. Ok. E-T-T-E-S. Y entonces ya ven de dónde sale la palabra zapato y medias en francés. Très bien. Donc, le mot superette. Superette. Ça, c'est facile quand même. C'est facile, superette. Oh, Mildred, no es chaussette, es chaussette. C-H-A-U-S-S-E-T-T-E. Así es, chaussette. Okay. Superette, superette, superette. Ah, c'est facile. Ahí reconocen una raíz. Super, super. Attention, si vous voyez être en français, c'est parce que ça veut dire petit. Antes en francés, cuando ustedes veían être, era el diminutivo, como el ito o el ico en español. Y esto es un pequeño supermercado. ¿Por qué digo pequeño supermercado? Porque no es una grande surface, no es una gran superficie, no es como un supermercado de centro comercial que es inmenso. No, ese es como una tiendita de barrio, porque en Francia las tiendas de barrio tienen o ese nombre de superette o otro nombre que vamos a ver más tarde. ¿Ok? Vêtements, ça c'est facile. Ça c'est facile. Vêtements. Esta está muy fácil, quand même. Les voy a incluir esa expresión. Quand même. Donc, vêtements. Yo no me acuerdo si yo les dije ya esto, pero hay una regla que dice cuando ustedes tienen un accent circunflexe es porque en latín había o una S, por ejemplo es vestimiento, vestido, o había una sílaba de más que ya no existe, por ejemplo Jerónimo en francés es Jérôme, ellos perdieron el ni y lo reemplazaron por un circunflexe. En vêtement es porque antes había una S, pero ahora no. Y para marcar que antes había una S, pusieron el accent circunflexe. Es ortográfico. ¿Ok? Attention. Quand vous trouvez ça, probablement, le mot dérivé ont le S. Si ustedes tienen este circunflexe, muy probablemente las palabras que se derivan de esta palabra sí tienen la S. Por ejemplo, si ustedes quieren decir vestimentario, dice vestimentaire. No dicen vestimentaire, sino vestimentaire. ¿Ok? Y finalmente, boulangerie. Quand même. Boulangerie. Curiosement, on dit pain. El pan se dice pain, P-A-I-N. Mais l'endroit, le lieu, se dit boulangerie. No les sabría decir por qué. Ok, veo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre superette y magasin? Mal. Una superette es un supermercado pequeño. Un magasin es cualquier tipo de comercio donde vendan. ¿Se ve la diferencia? Un superette es forcément un petit supermarché. Magasin, c'est magasin vestimentaire, magasin de chaussures, un magasin de électronique, par exemple. Magasin, c'est le générique. Et superette, c'est un mot super spécifique.
Une supérette est un magasin, oui. Mais un magasin n'est pas une supérette forcément. OK? Porque cambia el latín, porque la gente habla. Atención, marché no es supérette. El marché es el mercado. El mercado de la plaza de mercado, por ejemplo. Eso es un marché. Ashira, ¿por qué se cambia el latín? Porque la gente habla diferente. Es como, por ejemplo, un cambio del latín que se ve actualmente en el español es como la gente de la costa atlántica de Colombia y de todo el Caribe en general, que hace justamente eso de lo de temo, se hace, la gente dice, una que sea bien marcada. Esta niña, por ejemplo, los costeños dicen esta, no todos, pero hay unos que dicen esta, es porque esa S, para decir esta niña, esa S se aspira y esa S va desapareciendo porque luego de que algo se aspira, aspirar implica que se reduce la cantidad de energía y esa cantidad se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo hasta que desaparece. Y así es que hay pequeños cambios aquí, pequeños cambios allá, y cuando hay muchísimos pequeños cambios, así nace un idioma. ¿Ok? Donc, et Marcela, viande es carne. Bœuf, c'est un type spécifique de viande. C'est un animal. C'est un animal, la vache. V-A-C-H. E. V-A-C-H-E. C'est quoi l'animal? La vache? Yo creo que yo les había dicho qué animal era ese. Ajá. Sí, Gladys. Res. Porque la vaca, bœuf, literalmente es el buey. Y de hecho en francés no se dice carne de vaca, sino carne de buey. Pero bueno, no sigamos con, porque nos va a coger la tarde, ya son las y media. Superette, Camille, superette, supermarché, superette, supermarché, ok? La vache, c'est quoi vache en espagnol? Para terminar, para que avancemos, vache, c'est quoi vache en espagnol? Díganme. Yo les dije la regla así. Muy bien, Claudia. Vaca, y ahí se aplica la regla de chaussure. Vaca, y esa K se convirtió en sh, y como los que adoptaron el latín en este lado del Imperio Romano no pronunciaban muy bien ciertas cosas, era vash, y al final se convirtió en vash. ¿Ok? Y ahí ven la regla que les dije para chaussure. Très bien, on avance. Donc, que pensent les Français des commerces de proximité? Ça, c'est très important culturellement. Pourquoi? Parce que pour les Français, les grands centres commerciaux ne sont pas bons. Il existe des grands centres commerciaux en France, oui. Mais les Français sont encore très attachés au petit commerce de la ville. OK? Les Français, les centres commerciaux existent, mais les Français préfèrent, ils ont une préférence par le petit commerce de proximité. OK? Ça, c'est très, très, très délicat en France. En Francia es muy delicado el comercio de proximidad. ¿Por qué? Cuando un barrio tiene comercio de proximidad, tiene vida en Francia. Esa es la concepción francesa. Tiene vida, y si tiene vida, tiene actividad, la gente va y viene, puede salir, si necesitan algo van a comprar. Eso es muy, 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 muy importante para los franceses. Ellos, de hecho, miran en un barrio cuando buscan casa,
si hay comercio de proximidad. Porque si no hay, significa que se tienen que ir súper lejos a comprar cualquier cosa y la gente... Attaché es literalmente les chaussures. Quand tu utilises les chaussures, tu attaches les lacets. Cuando ustedes utilizan zapatos, ¿qué le hacen a los cordones? Ça s'appelle attaché. Bueno, no sé si en otras regiones dicen otra palabra, pero en mi ciudad de Medellín decimos amarrar. Y amarrar también significa como muy apegados. Estar attaché es como estar apegado. Estar amarrado a alguien es estar apegado a alguien. ¿Ok? Donc, le métier et service de bouche, le métier et service de bouche, privilégié en centre-ville. Ok. Malgré les craintes de déclin à long terme, ah, se me había olvidado. Yo iba a hacer la actividad, pero se me había olvidado. Les doy 30 segundos para que lean, recuerden con todas las reglas. Recuerden que yo no puedo escucharlos, así que confío en que ustedes se corrijan ustedes mismos. Tienen autonomía. Y quiero que lean esto. Les doy un minuto. Les doy un minuto, estoy contando desde ya. No importa que no entiendan, después les explico el vocabulario. Très bien. Donc, les métiers et services de bouche privilégiés en centre-ville, malgré les craintes de déclin à long terme, le commerce de proximité a toujours la cote dans de nombreux domaine d'activité. C'est notamment le cas pour les métiers et services de bouche, tels que les cafés et bars, les boulangeries ou encore les restaurants. À l'inverse, le français privilégie la périphérie pour les achats de mode et surtout les commerces alimentaires. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Les fue bien? ¿Siguieron todas las reglas? No veo respuestas. ¿Dónde están sus respuestas? Pues imagina, Claudia. Ah, Luis Felipe. Très bien, Luis Felipe. Estefanía, Claudia. Cálmeme. Lento pero seguro. ¿Ok? Donc, très bien. Donc, je vous explique un peu le vocabulaire rapidement. Ok, métier, c'est un synonyme de profession ou occupation, ok, ou travail. Et service,
service de bouche, privilégié quand même, c'est facile, en centre-ville. Malgré, no sé, lo tengo que traducir porque no encuentro sinónimos en francés. A pesar de, esa palabra incluye el de que nosotros tenemos. Malgré les craintes, craintes c'est appréhension, c'est être un peu prévenu, être un peu, ne pas être confiant, ok? Quand on craint, c'est parce qu'on ne fait pas confiance. Des déclins, bon, déclins, déclinés, vous connaissez le verbe en espagnol. À long terme, à long terme, c'est comme dans le futur, dans un futur très, très, très long. Le commerce de proximité, vous savez ce que c'est, a toujours, toujours, c'est pour toute l'éternité. Ou encore. Et c'est toujours, peut être deux choses. Peut être siempre, para el final de la eternidad, ou peut être todavía. En este caso, es un siempre con el sentido de todavía. Por ahí veo que son services de bouche. Service de bouche. Restaurant, café, boulangerie, bar. Rappelez-vous, la bouche, tous les services qui font référence à la bouche. Todo lo que uno consume por la boca. El café, los bares, las panaderías, los restaurantes. Esos son métiers de bouche. ¡Ay, Paola! Hay que repasar, Paola. Donc, avoir, parce que c'est le verbe avoir, la cote. C'est avoir, c'est la cote, c'est la popularité. Ok, c'est populaire, c'est très populaire, c'est très très bien, c'est très recommandé, c'est très voilà. Avoir la cote, c'est être populaire dans de nombreux domaines d'activité. C'est notamment le cas, notamment es como especialmente. C'est notamment le cas pour les métiers et services de bouche, tels que, ça c'est très facile, tel es, no es sino cambiarle una letra en español y la misma palabra, como el personaje del boletín del consumidor que se llama, tal cual, tel que les cafés et les bars, ce sont des services de bouche, les boulangeries, vous savez ce que c'est que la boulangerie, ya vimos que era una boulangerie, ou encore le restaurant quand même. À l'inverse, c'est-à-dire contrairement, les Français privilégient la périphérie. Il y a le centre-ville, centre, vous voyez les mots centre, c'est facile à interpréter. Il y a le centre et il y a la périphérie. C'est l'intérieur et l'extérieur. La périphérie, c'est l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en France, les centres commerciaux ne sont pas dans la ville en général. Je ne dis pas que c'est la généralité. La généralité, c'est que les centres commerciaux ne sont pas dans le centre-ville. Il y a des exceptions. OK ? Mais les grands centres commerciaux sont toujours à l'extérieur du centre. Parce que le centre, ça coûte cher. OK ? La périphérie, pour les achats, l'achat, c'est l'action de faire une transaction commerciale. Acheter, c'est acquérir un service ou un produit. OK? Les achats de mode, la mode, c'est facile. Et les courses alimentaires, attention à ce mot, attention. Ojo, comment se dice curso de français? On dit un cours, C-O-U-R-S.
Es fini. OK. Les courses. OK, no es cours, es course. Les courses alimentaires. Quand on dit courses, ça implique une transaction commerciale. Mais en général, c'est alimentaire. Quand on dit faire les courses, c'est généralement aller acheter à manger. OK? Donc, voilà. Grosso modo, tienen ya la traducción. La traduzco rápidamente para que miren cómo está su interpretación. No, ojo, que recursos no es. Es course, es las compras. OK? Bueno, las profesiones y servicios de boca, recuerden todo lo que pasa por la boca, privilegiados en el centro de la ciudad. Cuando digo centro de la ciudad, no hablo de los grandes, grandes centros, como en Medellín, que es el centro, no, es como Bogotá, que tiene varios centros. Las ciudades generalmente tiene varios centros. Entonces, es como el... Y cuando es una zona metropolitana, cada municipio tiene su centro. OK. A pesar de los miedos o de las prevenciones del decline, de la caída a largo plazo, el comercio de proximidad todavía es popular en varios sectores de actividad, es decir, no en todos. Hay varios en los que el centro todavía tiene ciertos comercios. Hay otros comercios que no, pero hay ciertos comercios que no se van del centro. Es especialmente el caso para los métiers y services de bouche, los trabajos y servicios de boca, tales como les cafés, les bars, j'ai pas besoin de traduire, les boulangeries, j'ai pas besoin de traduire, o incluso, o todavía, pero significa, o incluso, les restaurants. A l'inverse, les Français privilégient, je no la tenía que traducir, pero bueno, la periferia, en español se dice igual. Recuerden, en el centro todo es muy caro. Arriendo de los locales es muy caro. Por eso, en los centros comerciales están en la periferia, más barato. Para las compras de moda y las compras alimenticias o alimentarias. Vean que es la misma palabra en español, pero es porque esta es muy específica para los alimentos y esta es muy general. Esto es la ropa, esto son electrodomésticos, ¿ok? Y esta es ropa. Perdón, esto es comida. OK, bon, ça c'est des commerces, rue des Rosiers. La rue des Rosiers, c'est très 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 populaire à Paris. C'est hyper populaire. C'est la rue des falafels. Los que conocen los falafels, la calle de los falafels es la rue des Rosiers. Ça c'est la rue des Rosiers, ça c'est un restaurant. Este restaurante es muy bonito. Cuando vean fotos de la rue des Rosiers, van a ver que como un restaurante, hay una casa en la que hay un montón de plantas en toda la devantura, en toda la fachada. Es este restaurante. OK, très bien. Donc, maintenant, où réalisez-vous principalement chacun des types de courses suivants? Vous allez voir différents types de commerces. No sé si lo pueden leer bien. Café et bar. Ah bah, d'abord, la légende. En centre-ville, c'est bleu. OK, c'est bleu, c'est en centre-ville. Bleu d'eau ou vert bleu ou... Bon, je ne sais pas trop comment ça s'appelle ce nom, cette couleur. C'est en périphérie des villes ou en zone commerciale. Zone commerciale extérieure, OK? En livraison ou à domicile. Livraison, c'est comme domicile, c'est un synonyme.
Après, commande sur Internet. Ou ne sais pas. Donc, me dicen que es muy pequeña la letra. Voy a tratar de aumentarlo para que lo lean. Ok. No sé si ya lo leen mejor. Donc, il y a le café, les bars, les agences bancaires, les agences immobilières, il y a les boulangeries, les coiffeurs, le restaurant, le fleuriste, fleuriste, les épiceries. On va voir ce que c'est qu'une épicerie. Ah bon, une épicerie, c'est un peu un synonyme de supérette, mais un plus petit. Une épicerie, c'est plus petit qu'une supérette. Rappelez-vous, supermarché, supérette, épicerie. Les librairies, facile. Les boucheries. Rappelez-vous, bouche, mais c'est la viande. Les assureurs, assurance, par exemple assurance vie ou assurance accident. Vous voyez à peu près ce que c'est assurance. Les supérettes. C'est plus, rappelez-vous, supérette, épicerie. Les traiteurs. Attention, c'est important. Les traiteurs, c'est très important. C'est vente d'aliments, de produits alimentaire préparé. OK? C'est vente d'aliments préparés. Des recettes, hein? Je parle des recettes. Par exemple, il y a les traiteurs italiens qui vendent des recettes italiennes. Il y a les traiteurs chinois qui vendent des recettes préparées chinoises, etc., etc. Bon, il y a les marchands de fruits et de légumes. Ça, c'est facile à deviner. Il y a les agences d'opérateurs de téléphonie. Ça, vous voyez. Les magasins de prêt-à-porter. Vous savez ce que c'est que prêt-à-porter? Prêt-à-porter, en général, c'est ça. C'est production en série. Ce n'est pas production personnalisée, non. Le prêt-à-porter, c'est en série. Les magasins de chaussures, vous savez ce que c'est que les chaussures? Le supermarché et les hypermarchés, encore plus grands. OK, donc, vous voyez que la distribution de type de commerce, il y a une variation. Il y a plus de cafés et bars dans le centre-ville que d'hypermarchés. Il n'y a pas beaucoup d'hypermarchés dans les villes. C'est très rare parce que c'est très cher. Cher, rappelez-vous, c'est le contraire de bon marché. Ahorita se los escribo. Ok. Donc, et vous, est-ce que vous, qu'est-ce que vous allez voir en centre-ville? Et qu'est-ce que vous allez voir en périphérie? Ou qu'est-ce que vous vous faites livrer? C'est faire livrer, c'est faire un domicile, hein? C'est faire livrer en livraison. Donc, vous, je vous lis. Qu'est-ce que vous faites le plus en centre-ville? Quels sont les commerces de proximité? Et quels sont les commerces en périphérie pour vous? Cuéntenme ustedes cómo es su relación con los commerce de proximité, quelle est votre relation avec le commerce en périphérie? Non, c'est pour vous, les cafés, les bars, c'est en périphérie, ou est-ce que pour vous, je sais pas, les fruits et les légumes, vous les achetez en périphérie, ou c'est des commerces de proximité? C'est comment chez vous? Cuéntenme, comment a cambiado por lo menos estos 10 años que no estaba allá?
Luis Felipe, ¿en qué distrito es? Creo que es París 4. Sí, es París 4. Es cerquita de San Paul y cerquita de la alcaldía de París, en el Marais. Bueno, no, no veo que me escriban, ¿eh? Me dejaron solo en el curso. Cuénteme, ¿qué es que vous avez como comercio de proximité y qué es que vous avez en périphérie? ¿Qué tienen ustedes en proximité y qué tienen en périphérie? Ana María, infraestructura se dice infrastructure. Tout simplement, tu enlèves E de estructura, tu élimines le E et A, le A de estructura, tu le changes en E. Et sinon, c'est infrastructure. Donc, Byron. Commerce de proximité. Il y a beaucoup de supérettes. Ara, Justo y Bueno, ou de Uno. Il y a beaucoup en proximité. OK. Et ahorita lo escribo a María. Il y a beaucoup de supérettes de proximité. Et le reste, ces centres commerciaux, c'est ça? Hugo, les marchés, lo que dices, plaza de mercado, les marchés, en France, c'est très proximité parce que généralement, les villes organisent des marchés par quartier. Proximité, boulangerie, coiffeur, agence bancaire, ça dépend où tu habites. Estelle préfère les zones commerciales. L'assurance, assurance vie, assurance habitation, c'est un type de prévention en cas d'accident. C'est pour l'assurance, c'est pour éviter des problèmes en cas d'accident. Par exemple, le SOAT, c'est une assurance. Luz, tu habites en France? Lidl, c'est en France. Ashira, las tiendas de barrio, es lo que en francés se llama les épiceries. Attention. En Colombie, les épiceries, c'est bien. Pour l'économie, c'est bien. En France, non. En France, les épiceries sont chères, chères, chères. Ça coûte énormément les épiceries. C'est une différence culturelle. Lady a une station, une caserne. Caserne. Une station de police et un D1. Je crois qu'en Colombie, ils ont un D1 pour chaque quadra, non? Bon, les marchands de fruits et légumes, c'est des commerces de proximité. Ah, il y a beaucoup de chaînes spécialisées en supérettes, par exemple. Franprix. Franprix, c'est une chaîne de supermarché, mais c'est plus le concept supérette. Ce n'est pas des gros supermarchés, c'est des supérettes. Et c'est distribué dans toute la ville. Par contre, Auchan, los que vienen en España conocen al campo, es la misma cadena. Y es O, al, y Champ es campo, y es la traducción literal. Fonética, porque escrita se escribe diferente, pero al campo, pero es fonéticamente al campo. Auchan, c'est les hypermarchés.
Par contre, Franprix, c'est les supérettes. À Soacha, il y a un supermarché. Ok, Los Malina. Ok, proximité, il y a des marchands de fruits et de légumes. Très bien, Rosa. Laura, les marchands de fruits et légumes en centre-ville. Oui. Marta, proximité, boulangerie et marché. Très bien. Ah, Luis Felipe n'aime pas marcher beaucoup. Il faut faire du sport, Luis Felipe. Il ne le gusta caminar mucho. Le marché, attention à Maria, marché avec un accent sur le E. Sinon, es marché, es una escala. Le marché, supérette, boucherie, salon de coiffure, agence bancaire, oui, très bien. Ok. Bon, très bien, je vois que vous appréhendez le concept. Donc, pour les Français, c'est très important la proximité et surtout les cafés et bars. Vous allez trouver des cafés et des bars partout, 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 partout en France. Dans les quartiers populaires, dans les quartiers plus centraux, dans les quartiers chics, vous allez trouver des bars et des cafés. Ok, Carlos. Donc, vous voyez la distribution. Les hypermarchés, c'est périphérie. C'est le royaume de la périphérie, les supermarchés et hypermarchés. Il y a de moins en moins de services de chaussures prêtes à porter en centre-ville, mais bon, moite-moite, mita-mita. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux acheter ici? Est-ce que je peux acheter celle-là? Donc, vocabulaire. Ça, c'est des lunettes de soleil. OK? Ça, c'est des chaussures. Ça, vous le saviez déjà. Ça, c'est des médicaments. Ça, c'est... Oh, facile, j'espère. J'espère que vous pouvez voir. Espero que reconozcan este símbolo, por lo menos, eso les da una idea. Ça, c'est des billets d'avion. Et finalement, il y a des plantes, ok? Imagino que escuchan las sirenas, son muy francés. Donc, vamos a hacer un ejercicio, ok? Un exercice. On va se balader en ville et on va essayer de trouver quel commerce me permet d'acheter. Rappelez-vous, acheter, c'est faire une transaction commerciale. Comprar. Donc, nous allons voir quel commerce me permet d'acheter des lunettes de soleil, des chaussures, des médicaments, des billets d'avion, des plantes. Il y a une deuxième page de vocabulaire. Hein? Il y a trois pages de vocabulaire. On dit en sac, ça bon, c'est une coupe de cheveux, ok? Ojo, je vous dis, coiffer, peinar y cortar el pelo, littéralement c'est une corte, une coupe de cheveux, ça c'est facile, c'est des vêtements, ça. Ça s'appelle une montre, du verbe montrer, du verbe mostrar. C'est une montre parce qu'elle montre l'heure. C'est une montre. Et finalement, des fruits et des légumes. Ok? Tienen el vocabulario. Ya tienen el vocabulario. Ok? Lunettes de soleil, chaussures, médicaments, un billet d'avion, des plantes, un sac, une coupe de cheveux, des vêtements, une montre, des fruits et légumes. Ok? Maintenant, on va se balader dans Paris. On va se balader dans Paris, dans la rue d'Alésia.
La rue d'Alésia, c'est une rue de Paris 14. Recuerden que París se divide en, como en localidades, en comunas. Y esta queda en la 14. ¿Ok? Donc, ça, c'est la rue d'Alésia. On va faire un petit tour sur Google Maps. Et on va... vous allez me dire qu'est-ce que je peux acheter dans les différents commerces. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir. Oh, no puede ser. Vamos a... Tengo que hacer esto porque... bueno, voy a hacer esto. Ok. Ça, c'est Google Maps. Et on va se balader avec ce petit monsieur. On va voir, ça, c'est la rue d'Alésia. Ok? Ça, c'est la rue d'Alésia. Et ça, c'est l'avenue du Général Leclerc. Et ça, c'est l'avenue du Maine. Et ça, c'est l'avenue Jamoulin. C'est une... un carrefour, un cruce de caminos, de calles muy grandes. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasear por la rue d'Alésia y ustedes me van a decir qué encuentran, qué comercios y qué se puede comprar. ¿Ok? Bon. Ça, c'est une brasserie. Une brasserie, c'est une espèce de café. Une brasserie, c'est une espèce de café, mais c'est un peu plus grand qu'un café. Et ça, c'est très parisien. C'est hyper parisien, ça. C'est muy parisino. En Paris, c'est muy curioso porque no se sienta. Si ustedes ven, todas las sillas están hacia el mismo lado. Porque en París, uno va a las terrazas para que lo vean y para ver. Entonces, por eso, cuando vayan a París, van a ver, es muy curioso. No todas las, cuando están adentro no es así, pero cuando están afuera, en las terrazas, no es frente a frente, sino lado a lado para ver hacia la calle. Voilà. Donc, ça c'est une brasserie. Ça c'est une banque, une agence bancaire. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la rue d'Alésia? Qu'est-ce qu'il y a comme commerce? Qu'est-ce que... Ah, c'est quoi ce commerce? Qu'est-ce que je peux acheter dans ce commerce? Qu'est-ce que je peux acheter dans ce commerce? Dites-moi. Recuerden, ¿qué puedo comprar aquí? Dans ce commerce. Ah, très bien. Donc, je peux acheter me voy a ir hasta la parte de las explicaciones para mostrarles algo. Lo voy a poner bien grande para que lo vean. Je peux acheter ici, des lunettes de soleil. Très bien. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que je peux acheter dans ce commerce? No sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, hay muchos indicios. Qu'est-ce que je peux acheter à Finsbury? Finsbury, je ne sais pas comment il dit. Attention, je veux des phrases. Quiero que me den frases. Recuerden. Je peux acheter ici. Je peux acheter ici.
Ok, Esther, Luz. Très bien. Très, très bien. Alors, on va se balader un peu dans la rue d'Alésia. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut acheter là. Qu'est-ce qu'on peut acheter là? Qu'est-ce qu'on peut acheter là? Alors, qu'est-ce que je peux acheter ici? Dans ce commerce, qu'est-ce que je peux acheter? Très bien, je peux acheter ici des médicaments. Et là, qu'est-ce que je peux acheter ici? Et ici, qu'est-ce que je peux acheter ici? Très bien, je peux acheter ici des vêtements. Ah, peut-être un sac aussi. Oui, Esther, peut-être un sac. C'est possible, hein? Et quoi d'autre? Ah, Pilar. Pilar está muy adelantada. Muy bien, Pilar, pero... Ok. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre ici? Très bien. Ok, on continue notre balade. Alors, quel service, quel produit, qu'est-ce qu'on peut, je ne sais pas, on regarde un peu, ah oui, quel service, que croyez-vous, quel service je peux acheter ou acquérir ici? Quel service je peux... Attention, synonyme, acquérir. Acquérir, c'est moins, es menos comprar, es adquirir. Y no implica un producto, puede ser un servicio. Simplemente cambien acheter por acquérir. Ou synonyme, trouver. Trouver, c'est plus générique. Et c'est encontrar. Ok? Quel service je peux trouver ici? Quel service je peux trouver ici? Oui, je peux trouver la coupe, la coupe, attention, c'est féminin, la coupe des cheveux, peut-être des parfums, non, des parfums, moins. Je peux couper mes cheveux, ou me faire couper les cheveux, la coupe des cheveux. Ok, acquérir, no es muy, hay un dilema, bien, je peux trouver ici une coupe de cheveux ou la coupe des cheveux. Porque no es algo que se adquiere. Rosa, tu vas acheter le salon de coiffure. Rosa va a comprar el salón directamente. Ah, es la de la razón, ¿no? Eres rica, Rosa. Ok, très bien. Jean-Louis David, c'est une chaîne. Es una cadena que encuentran en toda Francia. Alors... Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Ah oui. Ici, qu'est-ce que je peux trouver ici? Je vais vous montrer un peu.
Ah! Qu'est-ce que je peux acheter ici? Ok, des fruits et des légumes. Attention, c'est pluriel. D-D-E-S. Des fruits et des légumes. On peut dire les fruits et légumes, les légumes. Pero cuando uno dice les fruits et les légumes, c'est parce qu'il sait cuáles. O sea, los que necesita, los que están en la lista, los que tiene que comprar, o sino frutas en general, uno dice des fruits et des légumes. Très bien. Ça, c'est bio, c'est bon. C'est une chaîne aussi. Ça, c'est une chaîne. Des supérettes. Ah, quiero volver. Aïe. Tac, tac, tac. Mais poussez mal. Qué pena con ustedes, me perdí. Ah. Este muñequito se me volvió loco. Vuelva. Tengo que bajar hasta abajo. Ah, voilà. Ok. Donc. Ok. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre? Tac-tac. Il y a beaucoup, beaucoup de commerces dans cette rue. Tac-tac. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Ah. Je savais qu'il y avait une, mais je ne l'encuentre, je ne l'encuentre, ça me perdió. Hay un comercio que está por aquí, que no lo encuentro, no lo veo. Lo peor es que me recorrí toda la calle para preparar la clase y ahora no lo encuentro. Tu es où? Tu étais par là, non? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Estabas por aquí, creo. Ah, voilà. Il est là. Estaba mirando para el lado que no era. Ok, je ne le trouve pas. Bueno, estas fotos son un poco viejas, entonces lo que uno ve no es lo que encuentra actualmente. Esta foto es demasiado vieja, no está el comercio que yo quería mostrarles. Suis désolé, ¿eh? Y je sais que par là. Ah, voilà. Qu'est-ce que je peux acheter ici dans ce commerce? Carlos. Il ne peut rien acheter parce que l'argent est fini. Se le acabó la plata, Carlos. Final, final. Tengo 10 minutos, así. Ah, Liliana, très bien. Je peux acheter une montre, bijoux, bijoux. Les bijoux. Ben oui. Les bijoux, c'est les accessoires, en général, les boucles d'oreilles, les pendentifs. Les montres aussi, c'est des bijoux, s'ils sont chers. Les Rolex, c'est des bijoux, hein. La montre dans une bijouterie, parce que c'est aussi horlogerie. Une horlogerie, c'est spécifiquement les montres. Ok, très bien. Bueno, esto fue nuestro paseo por la calle de Alesia. Les muestro dónde queda para que
Se ubiquen un poquito, queda al sur de París, queda la Torre Montparnasse, que es la estación de trenes, el Panteón, y está la Porte d'Alésia. Es una de las salidas de París. Ok, donc, je reviens a mon cours. Donc, très important. Aujourd'hui, on va voir les questions. Qu'est-ce que je peux acheter ici? Tu peux acheter un sac. Est-ce que je peux acheter un sac ici? Oui ou non? Donc, vous avez deux types de questions. Dites-moi. Quelle est la différence de ces deux types de questions? Ces deux types de questions très différents. Quelle est la différence de ces deux types de questions? Proposition. Quelle est la différence de ces deux types de questions? Ah, je vois que vous êtes calé, hein, en grammaire. Vous êtes très bien en grammaire, très bien. C'est les questions ouvertes et fermées. Est-ce que, si vous observez bien, si vous observez bien, la différence, c'est ici. La différence, c'est ici. Parce que le reste, c'est exactement égal. C'est égal. La différence, c'est ici pour ce type de question. Donc, quand j'ai qu'est-ce que, la réponse est une phrase. Tu peux acheter ici un sac. Tu peux acheter un sac. OK? C'est une phrase qui vous donne des informations complémentaires, des informations que vous ne connaissez pas. OK? Avec est-ce que, j'attends deux réponses. Soit oui, soit non. OK? La première, c'est des informations que je ne connais pas. Et la deuxième, c'est une confirmation ou une infirmation. Infirmer, c'est le contraire de confirmer. I-N-F-I-R-M-E-R. OK, donc, évidemment, si la réponse est une phrase, vous ne connaissez pas quelles sont les possibilités de la réponse, on dit que c'est une question ouverte parce que la réponse, ça peut être n'importe quoi. OK? La réponse, c'est inconnu, vous ne connaissez pas la réponse. Par contre, avec les questions fermées, vous savez qu'il y a seulement deux réponses possibles. C'est pour ça que c'est fermé. Ouverte, fermée. C'est fermé parce que les options, il ne sont que deux. OK? Donc, oups. Rappelez-vous que est-ce que c'est une question fermée et rappelez-vous que si vous entendez est-ce que l'intonation n'est pas obligatoire. Recuerden que cuando uno tiene est-ce que, automatiquement tu dices, c'est une question. OK? Merci Anna. Anna, c'est le son rojo. Vous savez que ça, c'est une question. Donc, l'intonation de question n'est pas obligatoire. Recuerden que cuando ustedes tienen este tipo de estructura,
no necesitan hacer el tono de pregunta porque gramaticalmente ya saben que esto es una marca de pregunta. Ok. Qu'est-ce qu'une chose, une personne est loin, c'est possible? Bueno, Esther, no entiendo tu pregunta. Si entiendo bien tu pregunta, cuando yo tengo que, pues es que, recuerden que eso se contrae en es que. Recuerden que esto se da porque que las dos E no se pueden encontrar. ¿Ok? Évidemment, c'est une chose. Ce n'est pas une personne, c'est une chose. Quelle est la question? Quelle est la question pour une personne? C'est qui? Ça, et là, il n'y a pas de contraction. Qui est-ce? C'est toujours qui est-ce? Ici, la contraction n'est pas possible, parce que sinon, il y a une confusion de que et qui. Et en français, c'est très important de faire la différence entre que, chose, et qui, personne. Ok? Para qué es? Es que todo esto, recuerden, cuando ustedes tienen esto, automáticamente saben que es una pregunta. Ese es que no tiene una información léxica. O sea, no les va a dar información de cosa nueva. Simplemente les está diciendo, ojo, si ustedes escuchan es que, significa que automáticamente es una pregunta. ¿Ok? Recuerden que esto tiene una función gramatical y no una función de información del mundo real. Ahí no están diciendo nada del mundo real, ahí simplemente están diciendo, ojo, 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 esto es una pregunta. Por eso, recuerden que no es necesario hacer la entonación, porque justamente ahí tienen la información que les dice, es una pregunta. ¿Ok? Très bien. ¿D'autres questions? Esther, ok, no sé si respondí a una pregunta. No he respondido a tu pregunta, perdón. Donc, yo lo digo mucho. Donc significa entonces. Es un sinónimo de alors. Recuerden que es un sinónimo. Alors. Magali, no hablas francés, por eso son estas clases. Es como so en inglés, sí. En francés uno no dice so, uno dice donc o alors. Très bien. Marielle. Todas las clases están grabadas. Simplemente vas a la sección de videos y buscas hasta la primera. Están en la primera clase. Ok. Ah, atención, Yesenia. Y otros que he visto. Très bien. Très avec un S qui ne se prononce pas. Ok. Bon. Merci beaucoup. Ya se nos va a acabar el tiempo. Hoy no me alcanzó la clase. Voy a todo lo que tengo que decir. Yo digo algo mucho. Pero recuerden que todas las clases quedan grabadas. Luego está el blog, que es curso de francés. Lo voy a poner simplemente para que las personas que llegaron vean. Curso de francés guión CNU por Colombia nos une.blogspot.com. Más tardecito, en unas dos horas, pueden encontrar la presentación. Pueden encontrar el vínculo para el video y algunos ejercicios. ¿Ok? Ok, ok. Bonsoiré.
Luz, después vemos por qué se usa dans. Je vais dans ma chambre, pero dans significa hacia el interior de, simplemente. Très bien. Bon, merci beaucoup. On se voit mardi prochain, mardi de la semaine prochaine, et jeudi, vous voyez Alejandra. OK? Nos vemos la próxima semana el martes y el jueves, recuerden que están con Alejandra. Salut, merci, bonne semaine.